alors je serai libre. Citoyens de Rome, mes fidèles sujets, pour fêter mon accession au trône impérial, pour que l'histoire se souvienne d'Aruntius, nous allons fonder une nouvelle cité, Aruntia. En cette occasion divine, moi, votre empereur bien-aimé, je vous offre le combat de gladiateurs, le plus sublime et le plus sanglant que vous n'avez jamais vu. Et en prime, vous pourrez admirer le plus grand gladiateur de tout l'Empire, prêt à répandre son sang pour votre plus grand plaisir, le champion invaincu de notre regretté Trajan, Invictus Trax! L'un d'entre vous effleure ma statue, il sera exécuté sans sommation. Abaissez la porte!
le Colisée rend hommage à Thrace. 60 000 Romains sont venus applaudir le champion de Trajan. Pour la dernière fois. Enfin, citoyens, voici venu le moment de notre crégatine. Applaudissez le grand Invictus Thrax, qui a rendez-vous avec son destin. Arontius, tu as détruit tout ce qui faisait la grandeur de Rome, juste pour la gloire et le pouvoir. Je ne vois rien de glorieux ni d'honorable dans ces actes perfides. Thrax, ce sont des arriérés de ton espèce qui empêchent cet empire d'atteindre son apogée. Je savoure déjà le moment de ta défaite, champion Trajan. Lâchez les gladiateurs! De voir mon sang couler sur ce sable, Majesté. Courageux, mais quel inconscient. Les Romains sont friands de ce genre de spectacle. S'ils veulent voir mourir un champion, je ne les décevrai pas. Ta fin approche à grands pas, gladiateur.